Bienvenue à tous et à toutes, et bien, merci de rester fidèles au programme de Gabon 24. Nouveau numéro du débat du 12-15, nous recevons ici le colonel Théophile Makita Niembo. Vous êtes le président du RAPID. Bonjour, mon colonel. Avec lui, nous avons monsieur le docteur Nestor Engon Eloué, c'est docteur en philosophie et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Bonjour, Bonjour, merci. Bonjour. Donc, dans ce numéro, nous allons ensemble nous appesantir sur le dialogue national inclusif et sur le fait, vous savez, que depuis 24 heures maintenant, les sous-commissions, ou du moins le travail en commission s'est achevé et que certaines sous-commissions ont rendu leur rapport. Et donc, nous allons nous focaliser sur la sous-commission politique. Vous êtes prêts On peut y aller On peut y aller. D'accord. Premièrement, j'aimerais avoir votre, votre sentiment sur ce travail en commission par rapport à la politique. Est-ce que vous pensez que les citoyens, comme ils s'appellent dans, dans le document, ils se nomment même les citoyens, est-ce que vous pensez que les citoyens sont allés au fond de la chose On va commencer par le colonel. Bon colonel, qu'en pensez-vous ben Encore merci. Je crois que nous suivons les débats à distance, nous suivons de l'extérieur. Et de ce qui nous revient, euh, il semble que tout se passe bien et que les compatriotes euh, mettent chacun du sien pour que les débats... Euh, n'accouche pas d'une souris, mais des, des propositions concrètes. Et voici ce qui me revient jusqu'à maintenant. D'accord. Que pensez-vous, M. Engel Oui, je crois que j'ai un sentiment qui est un sentiment positif. Nous avons eu, avec ces, ce, ce dialogue, l'opportunité de, de parler de sujets qui sont des préoccupations des, des Gabonaises et des Gabonais. Parmi ces sujets, il y a énormément de sujets qui viennent des Gabonais eux-mêmes par rapport aux propositions qui ont été faites. Donc euh, nécessairement nous allons euh, toucher un certain nombre de fonds. Euh, euh, donc essentiellement euh, sur les questions politiques dont nous avons parlé et, et sur d'autres questions aussi. Donc nous allons euh, ensemble aller étape par étape, comme justement le rapport qui est, qui est sorti. Et on va commencer par la Constitution. Vous voyez, la Constitution gabonaise était un sujet de débat qui était déjà euh, à l'époque dans les années 90, lorsqu'il y a eu les accords euh, par rapport à tout ce qui s'est passé aux élections euh, et ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que vous pensez que la Constitution devrait être changée Comme ici, ils disent ici, les contributeurs estiment que la Constitution actuelle est manipulée à suer au gré des humeurs des gouvernants dans le seul but de se maintenir au pouvoir et contre les intérêts supérieurs du Gabon. Êtes-vous êtes d'accord avec ça, M. Engel Alors, évidemment, je, je crois que. Est-ce qu'il faudrait la changer La, la renforcer faut... Qu'est-ce qu'il faut renforcer dans la Constitution De façon un peu plus précise, Quelque chose qui, qui moi, m'apparaît essentiel, c'est euh, ce qui a été au cœur souvent des, des, des préoccupations euh, après les crises post-électorales, c'est la question euh, de, de la durée de mandat. Je durée crois quoi? que c'est peut-être le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, Uniquement changer... du président Uniquement du président de la République Déjà du président de la République. C'est-à-dire que dans cette nouvelle constitution... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on définit comme durée du mandat présidentiel Est-ce que c'est cinq ans Est-ce que c'est renouvelable deux fois, une fois Est-ce que c'est euh, euh, est, euh, est indéfini euh, Voilà. Je crois que c'est une des questions essentielles euh, et que j'irais même jusqu'à dire qu'elle est plus essentielle que, que la nature du régime, parce qu'on a parlé et va y en parler du régime présidentiel. Euh, peu importe le régime qu'on met en place, euh, au fond, on va toujours se heurter à cette question si on ne la traite pas. C'est-à-dire combien dure un mandat présidentiel. D'accord. Et euh, mon colonel, le même rapport parle du fait que la Constitution ne met pas trop un accent sur nos us et coutumes. C'est-à-dire, elle, elle semble être calquée sur des constitutions occidentales euh, ou ailleurs, mais ne mettons pas un accent sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes en tant que peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mais Oui, il suffit, il suffit de la lire, la Constitution, euh, au-delà de l'aspect culturel qui est à, à compléter. La Constitution est plus concentrée sur le modernisme, sur le monde moderne, le monde planétaire. D'accord. Et quand bien même, chaque pays, même la France, a, sa, a, son, a ses coutumes. Attendons les résolutions de, du dialogue actuel pour que tout ce qui sera retenu comme euh, argument pour améliorer notre, nos coutumes dans la Constitution sera intégré. Mais je reviens sur la Constitution en elle-même. Euh, Au-delà de, de la Constitution qui est. Euh, 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 qui est toujours vu comme euh, étant le document, le, le, la Bible qui parle des durées des mandats et autres. Mais il y a la Constitution qui est également, c'est un tout là-dedans. Il n'y a pas que les mandats, il y a les pouvoirs, il y a tout là-dedans. En effet. Il y a tout là-dedans. C'est comme la Bible du. Bon, c'est une Bible en fait. Oui, oui. Alors, il faudrait que cette Constitution déjà euh, soit révisée, puisque c'est l'occasion de le faire. On a, ça fait, elle est toujours, toujours révisée. Mais cette fois, si elle est révisée, il faudrait que les commissaires, que ceux qui siègent en ce moment, tiennent compte des aspects intangibles dans cette constitution. Il Justement, est... en parlant de révision, parmi les propositions qu'ils ont faites, ils ont dit de faire du référendum le principe de base en matière de révision. C'est-à-dire, on est gabonais, on sait que le référendum n'a pas souvent été utilisé ici. Et là, ils disent qu'il faudrait que le, le référendum soit systématique lorsqu'on veut toucher à la, à la constitution. De, euh, mon Clonel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, d'accord, je, 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 je conviens. Mais est-ce que ça veut dire que si tous les six mois on veut retoucher, tous les six Et mois Pourquoi il faut retoucher tous les six mois aussi non. Pourquoi Il faut déjà euh, mettre en place, j'allais dire, euh, un échéancier. Par exemple, cette constitution ne doit pas être touchée tous les dix ans. Par exemple, comme le recensement de la population c'est tous les dix ans, c'est oui, clair, on n'y va pas avant, avant dix ans. Disons par exemple que tous les 10 ans, tous les 15 ans, on ne touche pas à cette, à cette constitution. Et là-dedans, dans ce qu'on doit toucher, il y a de l'intouchable, c'est-à-dire des choses intangibles, qui ont été déjà adoptées par le peuple gabonais d'une génération ancienne, mais qui tient compte des générations à venir. Oui. Parce que si on se libère de dire sur le référendum, mais chacun dirait un matin, écoutez, j'appelle le référendum, et puis, qu'on révise cet aspect de la constitution. J'ai vu que le docteur Ringon a, a parlé du, du mandat présidentiel, mais je veux juste citer quelque chose qui a été dit ici. Il parle ici d'insérer dans la constitution le fait que le mariage est entre un homme et une femme. Il parle ici du fait que les Gabonais de souche doivent être privilégiés pour les terrains, c'est-à-dire l'attribution de terrains. Comme on a vu, ça a été un problème ici récemment, même avant le régime actuel au pouvoir. Et on parle de beaucoup de choses ici. Et je me demandais si vous aviez un point qui vous revenait, qui vous qui, qui vous touchait. Ici, on parle de revenir à la référence à Dieu. Et aux ancêtres au sein de la, même si l'Union national le fait déjà mais il semble que ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Docteur Dr. Oui, mais Parce que nous sommes dans l'ancienne Constitution un État laïque. Un État Donc, laïque. Est-ce que effet. ça voudrait dire que euh, on vers un État religieux Alors peut-être pas religieux. Euh, le, le, le terme euh, pour parler de cela c'est théocratie c'est-à-dire en on, on, on met Dieu au, au cœur de, de l'organisation politique. Je ne pense pas que euh, il faudrait y arriver là, parce que si on arrive à ça, comment on articule justement les, les croyances, les traditions, etc. Bon, je crois qu'il faudrait bien plus qu'un qu dialogue qui vient de se passer pour, pour, pour situer cela, peut-être. Mais, mais revenir aussi, juste comme élément euh, complémentaire, c'est qu'effectivement, au-delà de la, la limitation des mandats, de la nature de, de la Constitution elle-même, ce que c'est qu'une Constitution, c'est l'identité d'un peuple. C'est ça. Et euh, euh, quand on. Vous avez quelqu'un comme Bertrand Badi qui a ce concept intéressant d'État importé. Au fond, on peut dire qu'il y a souvent eu des constitutions importées qui, dans les faits, se sont traduites par des, des, des contradictions entre une pratique culturelle et une pratique instituée. Euh, la question de la dot, par exemple, a, 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 qui, a, qui a posé, qui a fait couler effet, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Qui fait justement partie des, des, de ce que certains voudraient qu'on inscrive dans, avec dans le prix de la dot, justement, à l'intérieur. Bon, ça, on pourra revenir dessus. Mais, colonel Makita, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le docteur Engel vient de dire Oui, moi, je pense qu'il y a des aspects culturels qu'il faut examiner tout de suite. Il y en a qui, sont déjà, qui ont déjà été mis à plat par la dissolution de la l'ancienne constitution. Le, le mariage homo, c'est fini, ça. On n'en parle plus, dans la mesure où cette constitution a été mise à plat. Aujourd'hui, c'est 1991, c'est ça mmh. Et puis la charte qui nous font fonctionner. D'accord. Ce sont des choses qu'il faut maintenant revoir en. On verra au niveau du référendum... Du... Quand, quand le référendum sera convoqué, il faut poser ce problème au peuple. Est-ce que le peuple gabonais, de par sa culture, est favorable à un mariage gay, un mariage homo Il faut poser la question au peuple. D'accord. C'est des débats aujourd'hui qui ne sont plus d'actualité puisque tout a été mis à plat. Par contre, il faut regarder... Oui, oui. Il y a des aspects qui, qui, qui sont quand même importants. Les attributions des terrains, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Je n'imagine pas un gabonais propriétaire d'un terrain en Côte d'Ivoire. C'est très difficile en tout cas. C'est même inimaginable. Au Cameroun, même à côté d'ailleurs. Bon, hein? vraiment, je, je n'imagine pas. Ce n'est pas que la xénophobie, non. Il y a des domaines réservés aux comme compatriotes. Comme des de domaines de souveraineté. Domaine de souveraineté. Un terrain, c'est quelque chose de souverain. Mais justement, qui est gabonais Peut-être qu'il faudrait s'apesantir sur ça à l'intérieur. Est-ce que vous avez pensé, parce qu'on dit qu'il faut être gabonais de souche, est-ce qu'on définit c'est quoi un gabonais de souche Aux États-Unis, on dit si, tu es, si, si ton père est né, aux États-Unis, si tu es né aux États-Unis, tu, tu es Américain de souche. Est-ce que c'est valable ici Parce que j'ai certains amis qui considèrent qu'il faut que tu sois forcément Zébi, pour nous, ou Kota, pour être considéré de souche. Est-ce qu'un Libanais qui a six générations au Gabon n'est pas Gabonais de souche Par exemple, M. Dr. Engon. Est-ce qu'il faudrait même aller jusqu'à six générations euh, On a vu, et c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on attire notre attention, euh, mais, euh, au sens de vraiment faire attention, Lorsqu'il y a eu euh, le, le coup de libération en, après le 30 août, il y a eu une libération également de, des sentiments, plutôt du ressentiment. D'accord. Et euh, moi, j'ai des, des, des amis qui sont de nationalité gabonaise, mais qui ont un père d'origine étrangère, une mère d'origine étrangère, et qui se sont sentis pointés également du doigt. Alors, sur les questions de l'attribution la, de des terrains, on est sur quelque chose de différent. Mais sur cette idée de faire nation, au-delà de la nationalité, il y a d'abord l'idée de faire nation ensemble. Et euh, qu on, qu on, on devrait vraiment faire attention à ce qu'on qu décide quand on parle de Gabonais de, de souche. Parce que c'est une grand-mère qui, 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 qui nous vient aussi d'ailleurs. Hein. En France, par exemple, où le Front national euh, manipule ses concepts avec, avec brio. On voit bien qu'il y, y a un nationalisme. Mais le nationalisme en soi, il n'est pas, pas négatif. Il ne faut pas qu'il soit étriqué. Il ne faut pas que euh, 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 le ressentiment nous guide dans cette façon de, de dire euh, qui est Gabonais et qui ne l'est pas. D'accord. Ouais. On va avancer. Euh, donc, nous avons un deuxième point, le point des institutions. Et ici, je veux le dire, les contributeurs mettent en cause le bien fondé de certaines institutions. Parce que budget alourdissant les charges de l'État, dispendieuse, servant à caser des amis... Et les opposants en manque de conviction politique inutile n'apportant aucune plus value. Mon colonel, vous êtes d'accord avec ça Alors, Vous savez, c'est un débat délicat. C'est délicat et, et même sérieux. Avant de qualifier une institution de budgetivore et d'inutile, il faut peser les pour et les contre. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire au dialogue national. Les pour et les contre. Alors, prenons comme ça. Le Conseil national de la démocratie. D'accord, je suis le, CND. Membre, le CND. Vous êtes membre du CND Je suis membre du CND en tant que parti politique. D'accord. Il se trouve que d'aucuns estiment que c'est une institution qu'il faut dissoudre. Sans en mesurer les avantages, les conséquences et encore moins les inconvénients. Mais ils vont plus loin. Même la primature devrait être dissoute oui, après, viens, viens, après viens, La primature, ça dépend du système politique qu'ils envisagent. On, je on viens, en parlera, je je viens, en parlera je plus. avec plus le tard. CND. Alors, ce Conseil national de la démocratie est et le siège des partis politiques. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut se prévaloir s'il n'est pas inscrit au CND. Alors, fermer le corps de garde d'une entité, c'est renvoyer les gens dans la rue. En effet, est-ce que vous pensez que même s'il n'y a que 14 partis politiques, vous les voulez dans la rue ou dans un cadre consensuel Docteur Engel Oui, euh, je, je pense qu'il n'y a pas d'institution qui, qui, qui ait été créée sans une finalité nécessaire. Je pense que toutes les institutions que nous avons sont nécessaires. Après, le problème qui est mis en avant, c'est qu'elle coûte cher à l'État. Et quand on le dit, déjà, il faudrait qu'on sache euh, euh, exactement euh, combien. C'est-à-dire que. Soyons... Oui, il faudrait budgétiser tout ça. Et, mais, et mais rapidement, et, et on parle de supprimer la primature, supprimer le Sénat, supprimer la vice-présidence de la, de la République, le CND, dont vous avez parler de la médiation, parce que les médiateurs de, de, de l'État, le Conseil économique et social, l'Agence de l'urbanisme, des travaux topographiques, la Commission de lutte contre la corruption et de l'enrichissement illicite. Docteur Engel, non. Ça, fait, ça fait beaucoup d'institutions. Qu'en pensez-vous Est-ce que le faire va nous assurer d'avoir un meilleur développement, une, une économie considérable Je En tout ne cas, c'est beaucoup d'économie. Je ne sais pas. Mais beaucoup vous... d'économie en termes de... de sans finance. doute, sans doute. Mais est-ce que le problème véritable n'est pas la manière dont on gouverne Est-ce que le problème véritable des institutions, ce n'est pas les personnes qui, à la tête de ces institutions, ne font pas ce qu'il faut faire Peut-être qu'il faudrait dégrossir le mammouth et peut-être revoir le nombre de personnes affiliées à telle institution, c'est une façon de fonctionner. Et si on change ces institutions, il faudrait avoir un mode de, de, de gouvernance tout radicalement nouveau, puisque ça fait quand même une liste assez, assez importante. Et donc, innover en termes institutionnels, on verra si euh, les dispositions euh, okay. vont aller dans ce sens-là. Daniel Makita Moi, je pense que y a des choses sont plus faciles à résoudre. Prenons la NUTTC, parce qu'ils en ont parlé. Oui, oui. chance de Il y a un ministère de l'habitat en effet. Le c'est du cadastre. Pour moi, ça fait un double emploi. Si vous voulez dissoudre ça pour rendre au ministère ses prérogatives, c'est une bonne chose. C'est logique. les grands travaux, il y a un ministère ouais. des droits publics. En, en fait, c'est ça. Tout ce qui a été créé après, euh, après 2009, oui, oui. en sus des départements ministériels existants, oui, commencez par supprimer ça. Certains disent que c'était pour centraliser peut-être le pouvoir. On en reparlera plus tard par rapport justement à la centralisation du pouvoir. Oui, mon collègue. Non, non, non. Simplement, il faut... ce sont des doublons. Il faut, comme dans les ordinateurs, éviter tous les doublons. Tout ce qui est en doublon, il faut supprimer simplement. D'accord. Et puis on passe à autre chose, mais n'allez pas supprimer euh, comme ça de façon fantaisiste euh, un CND, un, euh, une cour constitutionnelle, une primature. Si s'il si, n'y a pas, fait. il faut bien des budgets pour que ces pour que ces institutions fonctionnent. Dans... On va maintenant toucher, toucher au troisième point et tout à l'heure le docteur Engon en parlait, le, le point des régimes du régime politique. Je vais introduire avec cette phrase qui est dans le rapport. Les contributeurs mettent principalement en cause le bicéphalisme à la tête du pouvoir exécutif, les conduisant à proposer même la suppression, encore une fois, de la fonction de premier ministre, chef de gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas deux chefs, c'est-à-dire le président et le premier ministre, qui, sont quasiment, qui ont les mêmes prérogatives, quasiment Docteur Engon je, je, je ne pense pas. Euh, je, je, je ne pense Officiellement, pas que... le Gabon était un régime semi-présidentiel. Ouais. officiellement. Et, et, et je crois qu'on n'a pas eu euh, dans l'histoire du Gabon, un, 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 en tout cas depuis 90, un cas où euh, le Premier ministre paraissait aussi important que le président de la République. Parce que là, vous parlez de charisme, mais est-ce que dans les textes, il ne se chevauche pas tout, tout dépend de ce que euh, les uns et les autres sont amenés à faire. Et je pense que. La, la répartition des rôles peut se faire avec un président et un, un, un premier ministre. Maintenant, euh, à la question de savoir si le présidentialisme serait euh, une aubaine pour euh, mieux administrer euh, la gouvernance, je, je pense que c'est une possibilité intéressante. Euh, supprimer euh, la fonction de premier ministre, pourquoi pas Mais la question ensuite, c'est pourquoi faire Et là, on arrive au niveau de l'équilibre des pouvoirs. Premier ministre D'où de, de, vient son pouvoir Est-ce qu'il émane est du Parlement Est-ce qu'il est juste nommé par le président Et certains parlent, même à l'intérieur du rapport, de devenir un, un de parti sur un régime législatif. C'est-à-dire. -ce existe à dire, encore. Voilà, où ce serait l'Assemblée nationale qui, justement, d'où viendra le Premier ministre, comme en Angleterre et comme dans certains. Mon colonel, qu'est-ce qu que vous en pensez C'est le régime qui sera retenu qui nous imposera la suite. Oui, oui, oui. Dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, celui que nous avons aujourd'hui, il faut un gouvernement dirigé par un Premier ministre. Dans un régime présidentiel, on a pas besoin d'un Premier chef du gouvernement. D'accord. Parce que là, le Premier ministre a pour, a pour second le vice-président de la République, qu'il nomme. C'est aussi un chef au même titre que le Premier ministre. À la différence, le Premier ministre, lui, il est chef du gouvernement. Il a du monde derrière lui, donc tous les ministres dépendent de lui. Et puis, c'était un régime, je disais tantôt, semi-présidentiel, semi, semi donc semi-parlementaire. Le Premier ministre est issu. Du parti politique qui aurait la majorité au Parlement. Est-ce que ça a toujours été le cas Mais c'est le cas, oui. Au, au Gabon, pour ne parler que du Gabon, le, le PDG a eu la majorité au gouvernement, à l'Assemblée nationale, depuis que le, le pays était indépendant. Enfin, depuis euh, que Bongo a pris les pouvoirs, en 1986 ou 1987, mmh. le PDG a toujours été à la tête, surtout pour nous, à partir de 1990, euh, euh, quand la démocratie a fait place au Gabon. Le PDG a toujours été en tête et le premier c'est toujours issu du PDG, toujours du PDG. Ils peuvent le prendre de la société civile comme le, le premier ministre, comme on l'appelait, le défunt... Euh, Casimir Oyemba Oyemba, c'était un technocrate parce qu'au sorti de la de 90, 93, oui, oui, il fallait quelqu'un de, quelqu de, de neutre. En effet. Ils en ont pris pour la première fois un neutre dans le l'État. On, on le sort de la banque centrale, je parle, oui, oui. pour le mettre là. Mais il a fini par devenir PDGiste. En effet. Donc, si il a répondu, il a, a respecté la règle. Mais pour avancer, pour toucher maintenant au point de la politique et de la démocratie, vous avez dit que vous êtes membre du CND. Et ici, on parle, d'après les citoyens qui ont rédigé justement ce document, ils disent que les contributeurs déplorent la présence d'une pléthore de partis politiques pour un pays à faible démographie. Docteur Ingon, est-ce qu'on ne pourrait pas basculer sur un système de deux partis comme aux États-Unis ou alors euh, le système des chambres comme en France, la gauche, la droite, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner une dimension un peu équilibrée à, à, à. Voilà, on a 104 partis politiques au Gabon et parfois on a l'impression que ce n'est pas très organisé tout ça. Oui, ce, ce qui est clair, et euh, il faut qu'on regarde la vérité en face, les partis politiques ont aussi échoué. Et le sentiment des Gabonais et des Gabonais, c'est de dire que. Euh, et d'ailleurs, ils le disent même pour la question de la transition. Elle doit durer parce qu'on ne veut plus que les acteurs politiques qui étaient censés nous représenter euh, viennent jouer euh, soi-disant pour nous alors qu'ils joueront pour eux. Euh, mais moi, moi j'orienterai plutôt ma réponse vers une autre question. C'est-à-dire que euh, quand on parle de changer de régime... Je suis étonné qu'on ne parle pas de démocratie directe. Pourquoi mmh. on ne parle pas de démocratie participative Pourquoi il ne faudrait pas un régime avec euh, davantage un quorum de citoyens qui, directement, pourraient participer à la prise de décision, que ce soit à l'échelle provinciale, que ce soit à l'échelle départementale où, euh... Et certains disent qu'il faudrait supprimer certains partis politiques. Mon colonel, que pensez-vous de cette euh, proposition Ce sont quatre partis. La première chose, qui crée les partis politiques Ce sont les citoyens. Non, 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 non. Les citoyens demandent à créer un parti politique. Oui, c'est une oui. demande. Et c'est le gouvernement, c'est l'exécutif ah, qui crée le parti. Donc les conditions de création, conditions de création. sont remplies et ils sont créés. D'accord. Il aurait été souhaitable plutôt que l'on regarde les choses un peu plus loin. Il faut donc insérer dans la Constitution le nombre de partis politiques qu'il doit avoir au Gabon. C'est ça. qu'au Gabon, il doit y avoir par exemple 30 partis politiques pour que ce soit dans la Constitution. Comme ça, une fois qu'on est à 30, c'est bloqué. D'accord. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il ne faut pas confondre les systèmes républicains et. et comment tu l'appelles aux États-Unis, hein, ils ont deux systèmes, hein, où on est républicain ou on est démocrate. D'accord. Mais, mais ce, ce, c'est deux, ces deux grands groupes mais à l'intérieur desquels naviguent des, des partis politiques. En effet. Plusieurs partis politiques. En effet. Voilà. Le vrai problème au Gabon, c'est qu'il y a dispersion. Aujourd'hui, quatre partis politiques, euh, c'est la faute à personne, c'est l'exécutif qui l'a permis. Qui a permis. L'exécutif devrait assumer. D'accord. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette, de cette émission. Ici, je vois qu'on nous parle de la, la durée de la transition et les, plusieurs ont, ont proposé des transitions de 10 ans, une transition de 10 ans. Ça a été parmi les propositions. Certains sont montés jusqu'à 15 ans, mais la majorité a dit 5 ans. Est-ce qu'on est a le cas actuellement au Mali où il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a justement report de la date des élections C'était en février, ça a été. Ça a été reporté. Est-ce que vous pensez que si la transition était prolongée, qu'on garderait la cohésion sociale On va terminer avec ça avant de, le dernier mot, docteur Engel. Euh, la, la cohésion sociale, je pense qu'elle est, elle est, elle est là euh, depuis, euh, depuis euh, le 30 août. Euh, là, et, et, et je ne pense pas que ça déstabiliserait euh, à une condition. Je crois qu'il faudrait que le peuple pente. Prennent part à cette décision, qu'on soumette un tel avis un au, référendum. au référendum. Voilà. Et je pense que c est, c est, ce serait un avantage même pour le CTRI puisque euh, cette légitimation populaire, elle doit être con, constamment renouvelée. Il faut euh, pouvoir euh, avoir euh, l'avis du peuple et, et, et surtout l'approbation du peuple. Euh, je crois que c'est une opportunité que de fonctionner comme ça avec le peuple. Même 15 ans, tout dépend de ce que le peuple. Est-ce que le peuple sait ce qu'il veut forcément? Alors c'est une, une question philosophique. Bon, est-ce que, est que, est que le peuple ne sait pas ce qu'il veut Évidemment que, que les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Il faut bien avoir à l'esprit que on vient de loin et euh, les gens sont encore traumatisés par ce qui s'est se, qui passé. Et peut-être que même ce, ce traumatisme-là les pousse à dire 15 ans. Mais est-ce que ce serait tenable Est-ce que au niveau international, parce qu'il y a aussi des exactions là mon colonel. Oui, moi je crois qu'il faut, aujourd'hui, le peuple se prononce sous le coup de l'émotion. C'est l'émotion. Quand on sort d'une situation comme celle qu'on a vécue, euh, tout le monde est prêt à proposer n'importe quoi. Euh, il faut plutôt, euh, déjà le président du CTRI, euh, à la prise de pouvoir, a dit qu'il il mettait en place une transition de deux ans. Il faut consommer cette transition. Ensuite, aller vers le peuple pour demander est-ce que cette transition peut être prorogée nous ne nous sommes, nous nous sommes pas au terme de la transition actuelle. C'est deux ans. On est à, un, à à huit mois. Même pourquoi s'empresser, oui. même pas Pourquoi s'empresser Laissez le CTR développer son calendrier. D'accord. Une fois qu'on arrivera au bout, on relance un référendum on et on pose la question est-ce qu'il doit continuer ou il ne doit pas continuer D'accord. Donc nous allons terminer ce débat du 12-15 sur ces mots du colonel. Makita, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Docteur Engon, mon colonel, je rappelle oui. que Docteur Engon est docteur en philosophie, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, et que le colonel Théophile Makita Ngienbo est président du parti politique qu'on appelle le Rapide. D'accord Donc, nous sommes arrivés au terme de ce débat du 12-15 à Gabon sur Gabon 24. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.